Salut ma famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam, en direct de la campagne. Et non, on est dans le jardin. Donc aujourd'hui, Myriam va faire du vélo pour la première fois. Je suis désolé si c'est pas la première fois qu'elle fait du vélo en vidéo, mais moi dans ma tête, je pense pas qu'elle ait fait du vrai vélo toute seule pour la première fois. T'en as déjà fait en vidéo? Oui. Mais du tout petit, avec les 4 roulettes. Mais ça comptait pas. On va aller prendre les vélos. Le petit vélo de Myriam qu'on lui avait acheté à son anniversaire, il est juste là. On va prendre ce vélo là. Hop, tiens Myriam. Avec le big vélo qui est à côté. Ouais, je prends mon big vélo aussi. Hein. Non. Pourquoi Myriam, je prends mon vélo? Non, mais je veux quoi pour moi, pour une fois? Ah genre, j'ai pas le droit de prendre mon vélo. Mais en fait, je voulais que tu fasses du vélo et tu me suis et tout, comme ça je t'apprends bien. Mais non, mais fais pas le radin, non, juste pour une fois, moi. Bon allez, on va s'occuper que de Myriam aujourd'hui, on prend son vélo. Et c'est parti. Tiens, allez. Ils m'ont enfermé dans le coffre. Non, je sais pas. Faut que je te dise un truc, à partir de maintenant, tu vas bien m'écouter. Parce que ça va être dangereux. Donc là, le vélo, tu vas pas en faire tout de suite. On va le ramener au parc. Viens, on va le ramener au parc. Oh, ouais. On va commencer à t'apprendre à faire du vélo. Stop. Mais avant de m'apprendre à faire du vélo, qui t'a appris à faire du vélo? Moi qui m'a appris à faire du vélo, tu veux que je te raconte? C'est tonton Gilelli. Tu sais comment il m'a appris? J'avais 8 ans. Il m'a ramené un vélo comme ça. Il m'a appris à en faire dès que j'arrivais un peu près en faire. Il me faisait faire des tours. J'arrêtais pas de tomber. Ici, je saignais. Ici, je saignais. Ici, je saignais. Ensuite, dès que j'ai réussi un peu à en faire, tu sais, il m'a fait quoi? Quoi? Il m'a fait un parcours où je devais passer sur la route. Wallah, j'ai eu la peur de ma vie. Je conduisais, il y avait des voitures, mais je suis pas tombé. C'est comme ça que j'ai appris à faire du vélo. Donc toi, aujourd'hui, je vais t'apprendre un truc. Tu vas commencer sur l'herbe. Déjà, fais voir comment t'en fais déjà. Vas-y, Myriam, monte. Est-ce que la selle, elle est bien réglée? Ouais. Vas-y. Wesh. Ah. Je tiens, t'inquiète. Vas-y, descends. Quand t'es sur ton vélo, alors lui, tu regardes droit devant toi, tu regardes pas là. Et quand tu viens bien comme ça, et quand par exemple tu veux tourner, tu fais comme ça avec ta main. Comme ça les gens derrière ils savent que tu veux tourner là. Ok? Et ensuite tu lèves. Non, je... Vas-y, entraîne-toi. Vas-y, tu pédales. T'inquiète, si tu tombes, c'est de l'herbe. Ok, là, un pédalage. Du coup, essaie de pédaler 4 fois au moins, 3 ou 4 fois. T'inquiète, je suis derrière toi. Oh là, je suis derrière toi. Vas-y. Ok, c'est bien. Elle va réussir. Moi, mon tonton, il m'a appris comme ça. Vas-y, t'inquiète, je suis derrière toi. Pédale. Tiens en équilibre. Ok, je vais lui apprendre un petit peu à faire quelques trucs et on se reprend dans quelques minutes. Ça a de la chance, c'est de l'herbe. Hein. A few moments later. Ça y est, commence à savoir à bien en faire là. Vas-y, montre-nous Myriam. C'est bien. Oh voilà, tu restes concentré et tu freines. Freine. Mais pas sec. Freine tout doucement. Ah, comme ça. Ok, on va voir si tu arrives à faire encore ça sur l'herbe. On va passer au béton. Okay. Est-ce qu'elle va valider la distance ou pas? Vas-y, pédale. Ok. Regarde devant toi. Tu freines. Super. Là, elle a passé le premier test. On va passer au béton. Ok. Est-ce que t'as rien? J'espère qu'elle va pas tomber. J'ai remarqué qu'elle avait un peu de mal et je pense avoir une solution pour elle. Lève-toi, Myriam. Qu'est-ce qu'il va me faire? Je pense qu'on va monter un petit peu la selle parce qu'elle me paraît un peu trop basse. Je sais pas ce que vous en pensez. Zahma, c'est un moniteur de vélo. Là, ça devrait être mieux. Là, vas-y, essaye. Je l'ai monté un tout petit peu parce qu'elle me paraissait un peu trop basse. Là, c'est okay. Mieux. Là. Ouais. Et elle là, reste à côté d'elle. Si elle tombe là, on est mort. Vas-y, je te tiens. Doucement. Là, c'est le béton. Fais gaffe, tombe pas. Allez, Myriam, s'il te plaît. C'est comme, c'est plus facile que l'herbe. Ok. Super, c'est bien, magnifique. C'est bien. Voilà, bah ça va. Vas-y, continue avec Yassine, continue avec elle derrière. Je suis avec toi. Après, on va voir si elle va réussir à bombarder. C'est bien, super. Fais-la aller un peu plus vite. Il n'est pas peur, il est à côté de toi. Super. Vous avez vu comment elle progresse bien? Ok. Elle a validé le numéro 1. Ouais. Elle a validé les stops, freine. Elle a validé l'étape numéro 1. Maintenant, elle sait faire du vélo, mais doucement. Et elle a peur d'aller un peu plus vite, c'est normal parce qu'elle a un blocage. Mais là, maintenant, on va essayer de l'entraîner à changer de direction. Mais justement, on va faire une pause parce que là, j'ai faim. C'est vrai qu'elle s'entraîne, elle s'est beaucoup entraînée. Du coup, Younes, on fait quoi? On l'emmène à. On va chercher à manger. Un grec? Tu veux manger quoi alors du coup? En vrai, je sais pas. Moi, j'aurais dit un grec. Hein. Mais non, pas un grec, Yacine. Tu veux manger un truc qui te redonne des bonnes forces? Ouais, je vous fais confiance. Ok, vas-y. Pour faire plaisir à Myriam, vu que ça lui a donné un petit creux, on va lui prendre, là, tu vois, il y a plein de fruits. Et non, pas de fruits aujourd'hui, on va à la boulangerie. Sachez que la boulangerie, c'est mieux que les fast-food, vous allez péter un cap, venez voir. Comme vous le savez, la boulangerie, Starfall, là, c'est magnifique. Un Ferrero Rocher en gâteau,
Nous, on a un Royal. Ils ont vraiment tout pris parce qu'il est à peu près 15h. Il y a aussi du salé là. Venez voir le salé. On a des Big Burger, tartes, sandwich. On va se mettre super bien. T'as dit quoi, Myriam? Oh, des glaces. J'ai dit de la boulangerie. C'est un milliard de fois mieux que le fast-food. J'ai une vraie idée. Pour que Myriam soit vraiment forte au vélo, je vais lui ramener des plots pour faire des slaloms et tout. Bon, Myriam, on va découvrir. On va voir c'est quoi que t'as pris à manger. Alors déjà, un petit caprice, de la base. Ok. Moi, je veux voir le nouveau truc que t'as pris là. Voilà, ça, c'est quoi ça exactement? Je sais pas. Montre-nous. Ça se présente comme une pizza déjà de 1. Ah, on dirait une sorte de pizza sandwich. Trop ouais. Bizarre. Vas-y, dis bismillah, tape un croc pour voir si c'est bon. Alors, parce que déjà, ça va pas. Oh, c'est collé au papier. Oh, ça a l'air quand ça fait ça. Oh, ça a l'air incroyable. Fais voir le fromage devant. Waouh, vas-y, teste. Bismillah. C'est comment? C'est incroyable. Une note de 1 à 10. 10. 10 sur 10 carrément. Genre c'est une pizza en fait. Ouais, mais en mode sandwich. Ah ouais, incroyable. Sinon pour vos vélos avant, c'était comment vu qu'il n'y avait pas de jeux vidéo? Nous avant, je me rappelle, on avait tous des vélos. Mais le problème d'avant, c'est que tout le monde se faisait voler ses vélos. Ah ouais, je me rappelle, il y avait une histoire. Il y avait nos voisins, d'ailleurs Rosetchika Saveux, s'ils vont y regarder la vidéo, ils nous avaient donné des vélos à moi et Younes. T'imagines? Des gens qui nous donnent des vélos. Un vélo chacun. Et Younes, il s'est fait voler son vélo, le sien. Et ensuite, écoute, hein, c'est pas fini. Et ensuite, il devait aller à Auchan faire des courses. Ouais. Il m'a dit, Yacine, prête-moi ton vélo. Je lui dis, ok, je te prête mon vélo. Il est parti, il a pas mis de cadenas. Et il s'est refait voler le vélo. Donc deux fois. Deux fois, il s'est fait voler le vélo. Du coup, moi, j'avais plus de vélo. J'avais trop la haine. Et après, comment vous faisiez? Bah, après, on avait plus de vélo, ça y est. Et c'est pour ça, là, un conseil, quand toi, tu auras ton vélo, et même ceux qui regardent la vidéo, prenez un cadenas. Le cadenas, c'est trop important. Parce que le vélo, c'est les trucs les plus volés au monde. C'est un truc de ouf. Ouais, surtout les vélos, là, les vélos électriques. Ouais, les vélos. Ah, en plus, maintenant, il y a les vélos électriques. C'est-à-dire, les gens, que ils volent. Donc, faut faire grave attention. En plus, c'est pas bien de voler. Bon, fais-nous un méga crawl là pour voir si t'as perdu la main ou pas. C'est l'air. Ah, ouais. Donc, la masterclass des pâtisseries. Là, au moins, tu vas prendre des bonnes forces pour le vélo. Ouvre-le bien. On a pris un truc super simple. On est sûr que tu vas aimer. Déjà, le sandwich, tu l'as fini? Ouais. Impeccable. Regardez-moi ce qu'elle s'est pris. Elle a pris un éclair au spéculoos, tape un maxi croc. Je crois que c'est pas au spéculoos. Hein, bah si, je crois que c'est au quoi, c'est... Ouais. Caramel beurre salé, il y a un spéculoos. Ah, caramel beurre. Ouais. Moi aussi. Solaire. Combien sur 10? 9. 9 sur 10. Moi, vous savez, ça fait plus de un mois que j'ai pas mangé de pâtisserie parce que j'ai un vrai problème. Genre en mode, moi, je peux pas faire comme elle, manger que ça et j'arrête. Dès que je commence à manger, wallah, c'est vrai, je vous le dis souvent, mais c'est vrai, il y a une sorte, comme si je devenais fou et je dois en manger grave. Ça veut dire que pour l'instant, j'arrête. Vas-y, finis. Et là, pour le vélo, ça va être chaud, il y aura des plots. On vient d'arriver, Yacine va lui installer un parcours pour l'instant. Elle a... Regardez le truc de ouf. C'est bien, Myriam. Mais là, on va voir si tu es capable de faire des allées. Faut pas poser les pieds, normalement. Essaye de venir un peu plus vite. Plus vite. C'est bien. Donc là, je vais faire un parcours et en gros, c'est pour changer de direction parce que c'est le plus dur dans le vélo, c'est de changer de direction. Elle va devoir à chaque fois passer dans les extérieurs et à la fin, il y a la ligne d'arrivée là-bas au plan rouge. Ok. Vas-y, fais-toi plaisir. Là, tu sais en faire. T'inquiète, là, tu sais en faire. Ok, slalom. C'est bien. Là, incroyable. Tu crois que vous prenez des plots, vous prenez... Aïe. Recommence. Là, t'es sur la route, tu fais ça, une voiture, elle t'écrase. Allez, vas-y, là, cette fois-ci, touche pas. Ok, intérieur, bien joué, là, tac. Touche pas par terre. Entre les deux plots. Super. Et à la fin, à droite du plot rouge. À droite du plot rouge, là, à droite. Bien joué. Magnifique. Donc là, le test final, après, je te laisserai sortir dehors. Pas toute seule, mais tu auras le droit de sortir dehors. Tu vas aller au bout, t'arrives vite, tu freines un peu et tu fais slalom sans tomber. Si tu sais faire ça, tu sais faire du vélo et tu peux sortir dehors. Ok. C'est ça le test, les gars. La freine. Ok, maintenant slalom. Super. Et là, tu t'arrêtes. C'est bien, mais fais bellec quand tu freines. Freine tout doucement, t'as même pas besoin de freiner fort. Voilà, c'est bien. Vas-y, reviens là. Viens ici. Viens. Il va te montrer c'est quoi un vrai dérapage. Tu vois, c'est ça un dérapage. Dernière chance.
c'était un peu mieux. En vrai, c'était mieux. Je lui mets la note de 3,5 sur 10. Ah ouais? Ouais, et toi? Moi, je lui mets la note de 5, au moins elle a réussi. Ça y est, t'arrêtes le vélo? Arrête!